Devant là, vous savez, okay. On a des moyens, des techniques exceptionnelles. Okay. C'est parti. On appelle cette personne. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour monsieur, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, ça y est. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Gérard Darmon. Je vous appelle pour deux choses. La première, parce que je sais que vous vendez un tractopelle. Oui, effectivement. Bon, oui. Ça, éventuellement, ça peut m'intéresser, mais nous en parlerons plus tard. Je vous dirai pourquoi ça m'intéresse. D'accord, ça vaut le coup en plus. Très bien. J'en doute pas. Je vois. Enfin, vous allez me donner les quelques attraits, enfin, ce pourquoi je pourrais éventuellement acheter ce tractopelle. Je vous fais confiance. Je voulais simplement Après, il faut en avoir l'utilité. Hein. Bien sûr, c'est pas. C'est un appareil de chantier. C'est pas pour mettre dans mon salon, je vous rassure. Hein. Ouais, ouais. Oui, non, mais bien sûr. Je vais aller jouer au Silo, à Marseille, une pièce qui s'appelle Tout à refaire avec Philippe Lelouch. Que j'ai joué toute l'année là au théâtre de la Madeleine. Attendez. Vous en avez entendu parler de cette pièce ou pas, qui s'appelle Tout à refaire? Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Pas du tout. Alors, c'est une pièce sur l'amitié, c'est une pièce entre deux hommes, déjà d'une cinquantaine, enfin deux hommes mûrs, qui vont refaire le monde, qui vont se parler d'amour, qui vont se parler d'amitié, qui vont se parler de. Ça a l'air très bien, mais sinon le tractopelle. Oui. Oui. Alors. Ma question était de savoir, parce que je voudrais changer complètement la mise en scène, c'est moi qui l'ai mise en scène. Je voudrais justement savoir si ça peut rentrer dans un théâtre, parce que je me vois assez démarrer la pièce sur un tractopelle. Est-ce que c'est possible? Quel est votre prénom? C'est Mika. Mika? C'est Mika. Mika, je peux vous dire un truc? Mika. Donc un tractopelle, Mika, il est en plein état. Oui. Mika, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Ben oui. Take it easy. Relax, Mika. Mika, c'est Cyril Hanouna, ça va bien? Ouais, Cyril Hanouna, ouais, bien sûr. Arrêtez vos frères. Mika. 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 Écoute-moi. Écoutez-moi. Vous entendez un gros bordel parce qu'il y a Cyril. Oui, mais là, j'ai entendu, il y a du mot. Apparemment, vous êtes plusieurs. Hein. On est bien. C'est sûr. On va avoir besoin du tractopelle. Voilà. C'est une très bonne. Mais j'espère bien. C'est quand même pour ça que j'ai mis l'annonce. Moi, je vends un tractopelle et l'autre, il me vend des pièces, des places de théâtre. Il est magique. Et Mika. Oui. Mika, vous le vendez combien, le tractopelle, au fait? Il est à 13 000 euros. Non. Mais pour les acteurs, je peux le faire à 15 000. Bravo, Mika. Mika. C'est dommage, tu as failli vendre ton tractopelle. Mais alors là... sinon, quand vous passez à Marseille, c'est possible de le récupérer. Moi, je peux le descendre. Hein. Mais voilà, on va le récupérer. Mika. Mais si je le prends, je le paierai cash. Bah, bien sûr, on va faire un petit prix. Okay, oui, dans la mallette, bien, dans la mallette. Oui. Mika, est-ce qu'on peut vous offrir deux places pour aller voir Gérard Darmon à Marseille, dans Tout à refaire? Écoutez, avec plaisir. Moi, je n'aurais pas perdu tout mon temps. Merci. Mika, je vous fais un gros bisou. Vous êtes très sympathique. Merci. Merci beaucoup, c'était Mika. C'était Gérard Darmon. Voilà, vraiment Gérard Darmon. Vous avez parlé à Gérard Darmon. Ça vous fait plaisir? Mais pour de bon, ce n'est pas une connerie. Non, ce n'est pas une connerie. Je vous jure que je suis vraiment Gérard Darmon et que c'est vraiment Cyril Hanouna. On est sur Canal+, en fait. Voilà. D'accord. Franchement, super, enchanté. On recommence tout du début. Merci alors. Mika. Mika, vous restez en ligne parce qu'on va vous donner les deux places, d'accord? Allez, super, merci. Je vous fais un gros bisou. Et le tractopelle, je le garde. Oui. Le tractopelle, Mika, vous pouvez vous le mettre dans le cul. Merci Mika. Merci. Merci Mika. Salut Mika.